Impressionnant. Bon, ça vous a plu? Magie incroyable. Mais alors, dis-moi Laurent, on a juste un petit problème, c'est qu'en fait, on a deux prix, on a deux trophées. En fait, ce soir, on remet le prix à deux femmes d'exception, oui. Une femme digitale entrepreneur et une femme digitale intrapreneur. Alors, comment on fait? Attends, tu veux venir à côté de moi? Oui. Ouais. C'est cool, ça. Je peux le prendre ça? Oui. T'es prête? Oula. Quelle ambiance! C'est chaud bouillant! Merci. Oups. Oh. Bien. Jusque-là, tout Allez-y, va bien. Allez-y, tout va bien, merci. Dites-le. Tu peux les prendre? Oui. Ok, super. Oups. Bien. Deux prix. Ça, c'est le deuxième. Waouh. Bravo, merci. Merci, Laurent. Alors, est-ce que tu peux nous faire apparaître de la même façon ces deux femmes d'exception? Ah. Tu sais, moi, je suis un mec, je peux pas faire deux trucs en même temps. Nobody's perfect, my dear. Alors, justement, on avait tout prévu et on a prévu une femme digitale, une digital artiste qui s'appelle Judith Darmon, qui va nous révéler ces femmes d'exception qu'on va célébrer ce soir pour cette dernière séquence avec vous. Alors, musique, maestro! Alors, pour remettre ces trophées et pour présenter ces femmes, on garde le suspense jusqu'au bout. J'ai l'honneur d'avoir avec moi ce soir Isabelle Long, qui est directrice des publics affaires de Huawei et qui nous offre ces merveilleux trophées des Lady Watch. On l'a dit ce matin, le temps du numérique est en train de croiser celui des femmes, donc il fallait qu'elles aient une montre pour garder l'heure. Et puis Bart Willard, qui est General Manager de Mastercard France. Alors Isabelle, est-ce que vous pouvez nommer la femme digitale intrapreneur de l'année? Alors je vais poursuivre un petit peu le suspense en vous parlant de son entreprise. C'est un logo avec un as de pique, et l'as de pique qui représente le bridge, qui est la passion du fondateur de cette entreprise. Il s'appelle Serge Kampf, c'est le bridge. Et les qualités requises pour le bridge, c'est l'anticipation, l'intelligence et la stratégie. Des qualités dont fait preuve Magali Thévenot, qui est une femme digitale et une femme de conseil, qui sont deux secteurs réputés très masculins. Et donc, c'est une belle réussite que nous saluons là. Tout à fait. Magali Thévenot, est-ce que tu peux nous rejoindre sur scène? C'était elle, la belle blonde. Bravo, Magali. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Tu veux dire un petit mot, Magali? Oui, alors je vais vous épargner les remerciements à la mode César, parce que je crois que c'est plus très tendance. Je vais surtout vous dire ce que représente pour moi une femme intrapreneur. Beaucoup de gens en fait se demandent ce que c'est, notamment dans notre enquête, celle que nous avons présentée ce matin. Et du coup, je vais un peu parler de moi. Parlant de cette femme intrapreneur, une femme intrapreneur, c'est pour moi trois choses. Alors, avant de commencer, déjà, c'est une femme qui est soutenue. On en a parlé, mais c'est une femme qui, pour se réaliser professionnellement, a besoin d'un ancrage personnel et familial qui est fort. Et ça, c'est important, c'est la famille, c'est le conjoint, c'est les enfants. Et sans cela, rien n'est possible. À partir de là, ça ne suffit pas.
qu'est-ce qu'une femme entrepreneur ? C'est une femme qui ose saisir les opportunités. Alors, on en a beaucoup, beaucoup parlé aujourd'hui, mais moi, ça, je l'incarne complètement et je me reconnais complètement dans tout ce qui a été dit. C'est une femme qui est toujours en mouvement. Voilà, j'ai fait au cours de ma carrière des dizaines de projets avec plein de clients. J'ai fait des rencontres magnifiques, hein, des gens qui m'ont aidé à changer de trajectoire plusieurs fois. 15 ans chez Capgemini Consulting, et pourtant 15 ans sans s'ennuyer, avec toujours plein de nouveautés, un monde toujours en mouvement, et je remercie les personnes qui m'ont accompagnée dans ces aventures, des gens comme Cyril Garcia, comme Ludovic de Lamazière. C'est aussi de très belles femmes, dont on ne parle pas suffisamment. Il y a des femmes chez Capgemini, des femmes remarquables, dont j'ai eu la chance de faire la rencontre, des gens comme Isabelle Rouchenu, comme Cécile André. Voilà, donc des femmes que je tiens à remercier. C'est une deuxième chose, être une femme intrapreneur. On a beaucoup parlé aujourd'hui du sens. Voilà, ben les projets que j'ai menés, c'est avant tout du sens. Voilà, on pourrait dire le conseil, gros business, tout ça, on vend des prestations, mais on vend du sens. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je vends du sens, des projets qui vont faire avancer nos économies, mais qui sont soutenables. Voilà, je travaille dans le secteur de la mobilité et moi je crois beaucoup en un modèle de mobilité soutenable grâce au digital. C'est une conviction très forte qui m'anime et qui me fait poursuivre mon ambition dans ce secteur. J'en suis ravie, voilà, donc c'est le sens. Et alors tout ça, ça nécessite trois conditions pour réussir. Déjà, c'est être capable d'aller chercher son autonomie et respecter le sens des responsabilités, voilà, assumer ses choix, ça c'est important. La deuxième chose, c'est la curiosité. Je pense que je n'aurais pas pu avancer sans être curieuse et ouverte à tout. Le monde du digital, c'est la rencontre de l'informatique et du métier, de magnifiques métiers. Et c'est parce que je me suis intéressée à l'informatique que j'ai pu avancer dans le digital. Et voilà, cette ouverture, je pense qu'elle est importante et c'est une vraie opportunité. Je crois beaucoup dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et puis, c'est une troisième chose, c'est aussi d'entraîner les gens. On a parlé d'équipe. Voilà, je ne sais pas si c'est un caractère féminin ou pas, mais en tout cas, ce qui m'anime, c'est d'emmener des équipes avec moi autour de ce sens et autour de cette ambition. Et chaque fois que je peux constituer mon équipe projet et l'emmener quelque part, comme je le fais aussi sur le programme Femmes de Capgemini Consulting, dont j'ai pris la responsabilité, qui n'existait pas vraiment. D'ailleurs, quand je l'ai prise, je suis allée la chercher. Et voilà, on a une très belle équipe qui est motivée. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Voilà. Merci, merci Bagali. Bravo. On peut l'applaudir très fort. Et elle est gâtée. Elle a plein de cadeaux. Regarde, tu vas partir avec plein de cadeaux. Courage, voilà, tout plein de Cusmiti, les décanteuses, Lancôme qui nous font l'honneur de t'offrir plein de cadeaux et tu les mérites. Pour ce prix Margaret, c'est pour la première année, on a donné un nom à ce prix et je voulais le rappeler, après les Césars, les Oscars qui sont quand même des noms très masculins, on a décidé de lui donner un nom et un nom féminin. Et Margaret, c'était Margaret Hamilton, qui est une codeuse informaticienne de la NASA, qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Alors, sky is the limit, c'est ça le message. Alors, pour le deuxième prix de la femme digitale entrepreneur, j'invite Bart, General Manager de Mastercard France, à venir nous révéler la belle brune. Exactement. Je suis très honoureux de remettre le prix de la femme entrepreneur à Véronique Morali. Bravo! Chère Véronique, je pense que votre carrière résume vraiment ce qui fait une vraie réussite. Pour moi, c'est vraiment oser entreprendre, vraiment redémarrer, vraiment partager, former. Vraiment, comme vous l'avez fait dans toute votre position que vous avez pris à tout niveau, mais aussi avec beaucoup d'implications personnelles dans tout ce que vous avez fait avec passion, avec toutes les implications que vous avez faites. Et vous avez été vraiment un rôle de précurseur dans tout ce qui est la révolution digitale. Et je pense que vous avez vraiment bien compris
que cette révolution digitale permet quand même d'avancer et de mettre les femmes et les hommes à un pied égal dans ce nouveau monde. Et je suis très, très fier, et c'est avec beaucoup plaisir que je vous remets ce prix au nom de toutes les femmes, mais aussi important, aussi au nom de tous les hommes. Donc, je vous félicite avec le prix. Voilà, je vais vous le donner. Merci beaucoup. C'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on peut le dire, les montres sont gravées avec vos initiales, Véronique VM et MT. Merci beaucoup. Alors, quand même, moi, je voudrais saluer l'esprit un peu de provocation et toujours là où on ne l'attend pas de Delphine et de toute l'équipe de la journée de la femme digitale que j'ai vue naître, d'ailleurs, à laquelle j'ai pas participé, mais que j'ai vue naître. Parce que remettre un prix, non pas de la femme digitale, mais de l'entrepreneur digital à une plutôt vieille, qui n'est absolument pas digitale native et qui, contrairement à tout ce qui doit se faire de présence sur les réseaux sociaux, n'y est pas du tout, puisque je ne suis sur aucun réseau social. Voilà, je voulais déjà saluer ce côté un petit peu ouvert et qui représente, selon moi, une partie de ce qu'est justement le digital. Être là où on ne nous attend pas, être agile, être capable d'une grande curiosité, exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Je me reconnais presque plus et davantage dans le côté entrepreneur, et c'est vrai entrepreneur digital, mais c'était presque par hasard, mais je revendique c'est vrai Terra Femina qui a été à l'origine de mon aventure entrepreneuriale et digitale pour arriver aujourd'hui à Webedia. C'est l'entreprise que je dirige, que je co-dirige d'ailleurs, avec Cédric Siré et grâce à Marc de la Charrière, qui en est l'actionnaire, qui lui non plus n'est absolument pas un digital native, mais qui s'est pris de passion pour toutes ces aventures qui sont des vraies remises en cause, puisque, et vous le savez toutes mieux que moi, en fait, il n'y a tellement pas de business model, il y a tellement des remises en cause tous les 18 mois de tout ce qu'on pensait vrai, que ça implique une très grande humilité face au digital. Être entrepreneur, ça, on peut savoir, mener une entreprise. Être une entrepreneuse digitale, c'est en même temps exaltant et c'est très angoissant. C'est parce que, effectivement, on doit en permanence sauter d'une innovation à l'autre. Et puis, dans ce contexte des GAFA qui nous environnent, dans ce contexte des adblocks, nous qui sommes médias digitaux, on doit être très vigilant à tous les challenges, tous les enjeux que ça peut vouloir, que ça peut représenter. Donc un grand merci pour cet esprit très ouvert de célébrer, enfin de me remettre ce prix, j'y suis très sensible, et félicitations à toute l'équipe d'avoir mené et d'avoir fait prospérer cette journée de la femme digitale qui est devenue très référente dans son domaine.